Salut, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un membre des NCT, j'ai nommé Taeyong, mais pas tout seul. Il nous revient avec un feat qui se nomme... Il se nomme comment ce monsieur Wonstein? Tout simplement, il nous revient en duo aujourd'hui pour, encore une fois, la SM et le projet SM Station, et le titre se nomme Love Theory. Ah bah, ça va être quoi la théorie de l'amour? Alors déjà là, la première image que je vois, on dirait limite quelqu'un qui a fait une maison en pain d'épices, qui a envie de la manger. Enfin, ça me... c'est ça que ça me vient dans ma tête en tout cas, enfin à l'idée. Je sais plus très bien parler, je suis vraiment éclatée, épuisée en ce moment. C'est très coloré, ça a l'air très kitsch. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. En général, j'aime beaucoup les projets SM Station. Donc, à voir, à voir, à voir. C'est parti, je vais découvrir cette nouvelle collaboration maintenant. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, pourquoi je fais cette gestuelle. Gyu. D'accord, ok. C'est très malaisant. Très très malaisant. Pardon. Ok, c'est quelque chose. C'est un son très hip-hop. J'aime bien quand ils montent les parties réseaux sociaux, TikTok et tout. Taeyong, c'est vraiment très coloré et tout, j'aime bien. Ok. Donc, il voit une tête de soleil, il en tombe amoureux. Mmh, on voit pas. Ouais, bon appétit. Un soleil. J'ai besoin d'un dictionnaire de l'amour et d'une théorie contre l'amour. Le juste truc que je trouve, ça va mon bémol, pourquoi ils n'ont pas fait le même concept, que ce soit pour Taeyong ou Wonstein? On les retrouve. C'est très joli ce rose dans ses cheveux. J'aime bien cette tenue là. Ça correspond bien, je trouve. Après, ça se peut qu'il serait jamais habillé comme ça dans la vraie vie. Hein. Ok, il fait un petit peu en mode psy. Tu peux me dire un petit peu par rapport à l'amour et tout? Il fait des talk shows. Oh, j'aime beaucoup, une grenade en forme de cœur. On dirait qu'il y avait une œil d'ange au-dessus. Ah ouais, effectivement, avec des petits cœurs et tout. Sympa. Ça peut être sympa de mettre ça en photo de single. Oh, j'ai beaucoup ce genre de collier vintage chez moi aussi. J'ai cette fameuse bombe. Ah. On dirait un cupidon. Ça y est, le soleil là. C'est très kitsch. Hein. Oh, je pense que ça doit être l'image du single, ça, non? Ouh, j'aime beaucoup le Love Theory à la fin. Alors, franchement, leur collaboration était assez sympa. Après, c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien écouter. Je pense que vous l'avez compris durant mon visionnage. Après, j'ai bien aimé ce côté un peu trop kitsch et décalé, mais pas trop surdosé.
on va dire que ça passe, mais je trouve que le clip n'a pas spécialement d'intérêt. Après, c'est juste mon opinion, évidemment. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis sincère sur ma chaîne. J'aime pas, j'aime bien, je suis mitigée. Je préfère être claire parce que parfois vous avez des commentaires qui peuvent être agressifs alors que bah, c'est ma chaîne, c'est normal que je donne mon avis. Après, si vous, vous avez aimé, bah, tant mieux pour vous. Après, voilà, c'est juste pas spécialement mon style. Après, j'ai beaucoup aimé, allez, cette bombe. En plus, je l'ai dit hein, dans la vidéo, comment ça s'appelle ? Je sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et franchement, ça pourrait être sympa que ce soit la photo du single. Et il me semble que ça va être la photo du single. Si j'ai bien vu la petite miniature qu'il y avait à la fin. Effectivement, vous avez vraiment ce single. Vous voyez deux mains. Donc, je suppose que c'est une main de Weinstein et de Taeyong. Le Love Theory. J'aurais bien voulu que le Love Theory soit la même police qu'à la fin du MV. Parce que j'aimais beaucoup ce détail. Et tu vois vraiment donc ce cœur quand tu tires sur le truc pour que ça active cette bombe, on va dire ça comme ça, cette gâchette, voilà. T'as une petite aile d'ange qui représente les ailes d'ange que Taeyong avait, tout le petit cœur pour cette love theory évidemment. Ça aurait été sympa, un petit soleil aussi, puisque tu voyais le soleil là aussi dans le MV. Oui, la jaquette est simple mais significative, elle est sympa. Mais voilà, je pense pas que je vais télécharger la chanson parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas spécialement mon style tout simplement. Après les goûts, les couleurs, hein, voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter ou pas. Mais dans l'ensemble, oui, bah, c'était sympa quoi. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette collaboration. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.